Salut Eric, tu m'entends? Salut, je t'entends, tout va bien. Attends, moi je t'entends pas bien. On va attendre un peu que les gens arrivent. Ok, ça fonctionne, cool. Mais ça marche très très bien, cette technologie-là. C'est pas très. Je t'entends Ok. que à gauche, mais c'est pas grave. Ah bon? Bon. Ouais, je sais Mais pas. c'est pas haché, tout va bien. Non, c'est pas haché. C'est pas haché. Et dans tes bureaux à Caen? Tu sais que nous, on a pas du tout de bureau, donc je suis chez moi dans mon bureau. Ah bah finalement, t'as pas de bureau. On est Covid-proof par design. C'est excellent. Bon, Ouais. bah. Enfin bon, c'est quand même relativement frustrant de ne plus pouvoir aller rencontrer des gens physiquement. De toute façon, toi, Un depuis le peu. début, ton équipe, elle est éparpillée. Donc, c'est plutôt le Ouais. problème de rencontrer des gens que de travailler avec des C'est gens, en fait. tout à fait, Alors, du coup, on a 3-4 personnes connectées. Donc, on va commencer. Puis, de toute façon, les gens pourront regarder en différé. Donc, on va démarrer. Alors, écoute, le plus simple, c'est je vais... Le sujet de notre visio, c'est le My Data is My Data, c'est la baseline de la société. Donc, je vais te laisser présenter le projet. Et puis ensuite, on va discuter de souveraineté sur les données et de ce qu'on fait et de comment est-ce qu'on peut aller plus loin. Eh Si ça te va. bien, allons-y alors. Vas-y. Le projet. Alors, le projet I, anciennement ILO, mais qui est devenu I et qui changera peut-être un jour de nom, on verra. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi on a créé ça? C'est venu d'un constat tout simple, en fait, hein. Moi, je viens de l'open source. Je suis utilisateur de Linux de longue date. Et il y a 3 ans et demi, 4 ans, je me suis rendu compte que j'utilisais de moins en moins Linux, j'utilisais de plus en plus un iPhone, j'utilisais de plus en plus Google, les outils de Google en ligne, etc. Et j'ai commencé par me poser cette question, pourquoi moi qui viens du logiciel libre, qui toujours un petit peu porté la voie du logiciel libre tant que possible, j'avais progressivement basculé du côté sombre de la force numérique. Et en réfléchissant à tout ça, j'ai pris conscience en fait que tout ça c'était en partie lié à l'exploitation de nos données personnelles et à un monde qui avait beaucoup changé en fait, hein, le monde de l'IT en quelques années. Et plus spécifiquement, je me suis interrogé sur le smartphone, étant donné que le smartphone est devenu hyper présent dans nos vies, au point que on met quasiment toutes nos vies dedans. Hein. Enfin, c'est tout ça s'est accéléré avec l'arrivée de Facebook, etc. Mais il y a des boîtes, je pense à Google en particulier, construit tout leur business model sur l'exploitation des données personnelles. Et le smartphone, c'est l'outil idéal en fait pour passer notre temps, nos journées, à envoyer toutes nos données personnelles à quelques grosses boîtes, principalement américaines, mais pas seulement. Et je me suis quand j'ai creusé un petit peu la question, j'ai lu pas mal de choses. C'était aussi suite au scandale Cambridge Analytica, tout ça. Je me suis posé, enfin, j'ai réalisé à quel point c'était devenu dramatique, quoi. Enfin, et ça, je pense que c'est quelque chose qui est vraiment lié à l'objet smartphone et au fait que c'est tout voyage par les ondes, par le Wi-Fi, on sait pas vraiment ce qui se passe en réalité. C'est dans la poche tout le temps. On passe notre journée à l'utiliser, à utiliser plein d'applications différentes, et ça passe son temps à envoyer des données vers des serveurs sans absolument qu'on s'en aperçoive.
Alors, on s'en apercevra peut-être le jour où on aura tous développé un cancer de la cuisse ou un truc comme ça, mais ça sera un peu tard. Juste pour donner une idée, hein, il y a une étude d'une université américaine qui est parue il y a 2 ans, je crois, peut-être 2 ans et demi, qui a montré que quand on utilise un smartphone Android, on envoie 12 mégaoctets de données par jour chez Google. C'est pas rien quand même. Et ceux qui pensent être protégés avec un iPhone, bah, ils se trompent puisque on est à peu près à la moitié, donc c'est moins, mais c'est quand même significatif. Donc si environ 6 mégaoctets de données personnelles par jour. Donc qu'est-ce que c'est les données personnelles? C'est par exemple votre géoloc. Votre portable, il vous suit à la trace puisque vous l'avez dans votre poche et il envoie toutes vos données en permanence chez Google en particulier ou chez Apple si vous avez un iPhone. Et on a même lu des trucs assez incroyables, des études qui ont montré que même si tu éteins ton téléphone Android, ou si tu le mets sur mode avion, tu te balades, tu vas faire tes courses, tout ça, et le moment où tu enlèves le mode avion, il va rebalancer tout ton historique de géoloc pendant le moment où il était en mode avion chez Google. Donc on atteint vraiment des sommets en termes de traçage des individus, hein, tout simplement. Et moi, je pense que c'est un énorme problème parce que ça a des impacts qui sont colossaux maintenant déjà, mais on a vu avec Facebook, Cambridge Analytica, des élections puissent savoir être détournées. Enfin, on voit quand même la responsabilité immense de Facebook et des réseaux sociaux d'une manière plus générale sur ce qui peut arriver. Et on a pu voir encore hier soir avec ce qui s'est passé aux US. Enfin, c'est complètement dingue. Et tout ça, c'est quelque part des épiphénomènes d'un nouveau mode de communication hyper lié aux réseaux sociaux, au fait que les gens ils se connectent entre eux sur des modèles qui sont assez nouveaux puisqu'ils ont tendance à favoriser l'entre-soi et donc à discuter qu'avec des gens qui partagent les mêmes opinions. Donc forcément ça a des conséquences énorme en termes de, enfin, on connaît tous ces sujets, les fake news, etc. Donc voilà, donc très très gros problème à mon avis sur ces sujets-là de protection des données personnelles. Et quand je me suis posé la question, qu'est-ce que je peux utiliser d'autre que Apple ou Google sur mon smartphone? J'ai pas trouvé en fait. Il y a 3-4 ans, il y avait rien en fait. Il y a évidemment, on va me dire, il y a Ubuntu Touch, il y avait Firefox OS, mais qui venait de mourir. Il y a deux, trois initiatives comme ça, mais c'est des trucs pour geeks, en fait. Et moi, je suis un geek, bien sûr, puisque je suis informaticien, mais je n'ai pas du tout une vie numérique de geek, en réalité. Je passe pas mon temps sur IRC, j'ai une vie numérique totalement normale, sauf que j'utilise pas trop Instagram et tout ça. Donc aujourd'hui, c'est une exception, on va dire. J'utilise plus Facebook depuis 2 ans. Enfin, j'ai encore un compte pro, mais c'est vraiment je l'utilise très peu. Mais par contre, j'ai un usage normal, c'est-à-dire je prends des photos. Enfin voilà, j'aime bien que mes photos elles soient enregistrées sur un cloud, sur un drive automatiquement, parce que si je perds mon téléphone, j'ai pas envie de perdre toutes mes photos. Enfin, j'utilise le mail, j'utilise des messageries instantanées, j'utilise des navigateurs web, des apps, etc. Enfin, voilà. Donc j'avais vraiment besoin d'un outil, déjà pour moi, qui soit beaucoup plus vertueux sur les données perso et à la fois qui me permette d'avoir une vie numérique normale. Ouais. Et je me suis dit, tiens, si jamais on pouvait faire ça, je suis à peu près sûr, enfin, c'est très probable que ça va intéresser d'autres personnes que moi. Donc j'ai commencé à regarder ce qui existait à l'époque comme brique logicielle qui permettait de recréer, de réintégrer un écosystème mobile complet, donc un OS mobile, dégooglisé, des services en ligne de base qui fonctionnent instantanément avec l'OS. Et puis j'ai vu qu'en fait, les briques, elles étaient déjà là pour la plupart. Par contre, il y avait un effort colossal pour les assembler, faire en sorte qu'elles fonctionnent bien ensemble
et offrir un produit intégré, quoi, parce que c'est tout le contraire de l'approche geek, c'est-à-dire c'est de faciliter l'accès à un outil. Et l'idée, c'est vraiment de créer et de diffuser un produit que n'importe qui va être capable d'utiliser, comme n'importe qui est capable d'utiliser un iPhone ou machin. Voilà. Donc tout le projet est parti de là. Alors, j'avais un petit souci à l'époque quand même, c'est que j'étais très occupé professionnellement, d'une part, sur d'autres sujets. J'avais pas nécessairement beaucoup de sous à mettre, investir dedans. J'étais pas sûr non plus que mon idée pouvait rencontrer un écho favorable. Donc, sur les conseils d'un ami, je me suis lancé dans une campagne de crowdfunding sur Kickstarter. Il a mis un peu de temps à me convaincre. J'étais un peu réticent au départ. Et finalement, il m'a accompagné. Lui, il en avait déjà organisé. Il m'a accompagné là-dessus. Et en quelques semaines, on a mis en place une petite campagne Kickstarter avec une vidéo, enfin plein de trucs que j'avais jamais fait avant. Et je cherchais à l'époque 25 000 euros. J'avais mis le minimum à 25 000 euros pour que la campagne puisse être considérée comme une réussite. L'idée, c'était de pouvoir payer un développeur avec qui j'avais commencé à travailler quelques mois pour qu'il commence à bosser sur l'OS, aussi l'interface graphique et tout, parce que je pense que c'est un point très important si on veut que ça marche. Et le Kickstarter, un mois et demi, il a fait 4 fois les 25 000, en fait. Il a fait quasiment 100 000. Donc là, j'ai fait waouh, il se passe un truc quand même, j'ai l'impression. Et derrière, ça a continué sur Indiegogo une fois qu'il était fini, et on a fait, je sais plus, 170. Enfin, on est allé pas très loin de 200 000 euros. Donc, et en même temps, j'ai reçu plein, plein, plein de messages du monde entier, hein, me disant mais merci pour ce projet, on espère que ça va réussir. On cherche aussi à échapper au duopole Google-Apple. On n'en peut plus, on veut un truc plus vertueux. Et là, voilà, pour moi, ça a été le trigger, le signe qu'il y avait probablement un truc intéressant à faire. Et ça s'est confirmé par la suite, puisque on a pu se développer relativement vite en utilisant plein de briques qui existent déjà, en les intégrant. On a pu sortir une bêta fin 2018 qui était déjà fonctionnelle, c'est-à-dire qu'il y avait déjà un OS, il était déjà dégooglisé, pas complètement, mais il était en bonne voie. On avait déjà ces services en ligne avec le stockage de ces photos, la synchro avec l'OS, une adresse mail, etc. Et puis voilà quoi. Après, des utilisateurs sont arrivés. On a pu en forquant. Alors, on fork Android, hein, et on fork LineageOS en particulier, puisque LineageOS c'est un Android qui tourne sur plein de machines, donc ça nous permet d'aller plus vite. Et donc en un an et demi, on était presque à 100 smartphones supportés avec iOS. On continue d'ajouter des modèles régulièrement. On est un peu plus de 100. Et on s'est posé la question de comment on peut rendre le truc vertueux et aussi économiquement viable, hein, parce que c'est bien joli de développer, d'être enthousiaste, etc. Mais si on ne peut pas payer les gens, il y a un moment, ça ne fonctionne pas. Et comment être économiquement viable avec un modèle hyper respectueux des données personnelles donc on s'est posé cette question-là. Donc on a exploré plusieurs trucs et on a constaté que on avait une demande qui était récurrente. C'était de pouvoir. Il y a plein de gens qui étaient intéressés par ce qu'on faisait, par l'OS, et à la fois installer l'OS sur un smartphone existant, c'est un truc qui est compliqué, enfin qui était compliqué. La grosse difficulté, effectivement. Voilà. Je leur dis, en gros, tu as réussi à convaincre plein de gens de donner de l'argent, ce qui est quand même incroyable. Un système sans Google et sans Apple. Mais le problème, c'est qu'à un moment, il faut qu'ils l'installent. Donc, en dehors des geeks, c'est quand même compliqué. Et ensuite, il faut que ça te rapporte de l'argent. Parce qu'en fait, toi, tu ne vends pas le téléphone, tu vends l'OS, sauf qu'en fait, tu ne le vends pas tellement, puisque c'est un peu open source. Donc, Exactement, donc c'est on pas. en arrive au moment où on se demande comment est-ce qu'on transforme cette appétence des gens qui avaient donc avancé 200 000 euros pour que tu développes le truc en entreprise, pour que ça continue de se développer, pour que ça ne devienne pas comme Exactement. Firefox, quoi.
Et donc, c'est à ce moment-là que donc il y avait ce frein qui était l'installation, c'est compliqué, c'est en ligne de commande, il faut installer des trucs un peu bizarres, enfin voilà, sur son PC. Et donc il y a des gens qui nous ont dit, mais moi je veux bien vous payer pour que vous me l'installiez sur mon téléphone, ou voir est-ce que vous auriez pas même un téléphone à me vendre avec le truc installé. Donc, on a exploré les deux voies. Alors, la voie installation du téléphone, il nous l'envoie, on l'installe, on a testé un petit peu et on a laissé tomber parce que c'était trop compliqué, ça prenait trop de temps. Les téléphones, ils arrivaient dans des états extrêmement différents. Donc, économiquement, ça n'aurait pas pu fonctionner à moins de facturer la Presta 150 ou 200 euros, quoi. Donc, ce qui est complètement dingue, surtout pour un téléphone d'occasion. Donc ça, malheureusement, on a dû le laisser tomber. Par contre, on a développé un outil qui s'appelle Easy Installer qui permet de faciliter énormément ce processus de flashage pour ceux qui veulent flasher du matériel existant. Et en parallèle, on a tenté aussi la vente de téléphones préinstallés. Donc on était un peu ennuyé puisque aujourd'hui, si tu veux mettre sur le marché un téléphone neuf, tu vas voir ce qu'on appelle un ODM. Ils sont tous chinois. Et pour qu'ils acceptent de bosser avec toi, ils vont commencer. Si tu veux travailler sérieusement avec eux, il faut déjà leur faire un chèque de 50 000 dollars pour mettre tout le truc en place. Et puis après, derrière, il faut commander 50 000 pièces. Donc c'est un budget colossal pour une petite structure, un petit projet. Et par ailleurs, on n'avait aucune expérience sur le hard on se dit, mais on va se faire avoir, quoi. Si on n'est pas sur place en Chine à regarder si c'est la qualité, ce qui sort des chaînes et tout ça, ça va être une catastrophe. Donc, on a trouvé une autre voie. Alors, l'autre voie, c'est on a rencontré Ricommerce. Ricommerce, c'est une boîte française qui fait du téléphone reconditionné. Donc, toute marque, font de l'Apple, du Samsung, voilà. Et on a discuté avec eux. Comment on pouvait peut-être utiliser leurs téléphones reconditionnés, qui sont pas trop chers, qu'on peut avoir en volume raisonnable, installer notre OS dessus et leur vendre au client final. Et donc ils ont dit OK, on y va, on veut bien bosser avec vous. Et on a tout mis en place assez vite. Ils ont accepté de flasher même les téléphones sur leur chaîne. À côté de Paris, enfin voilà, on a mis en place ce truc assez vite avec la logistique qui va avec, parce que mine de rien, ça peut paraître tout simple et je pense que tous les gens qui font du e-commerce vont comprendre ce que je dis, et moi je connaissais pas trop le e-commerce avant. Entre le moment où quelqu'un passe une commande sur Internet, sur un site marchand, et le moment où il a son téléphone et que ça marche, il y a une chaîne absolument dingue qui implique plein de trucs, des systèmes de paiement, de la logistique, du contrôle qualité, enfin du suivi, du tracking, et puis après derrière éventuellement du service après-vente parce que parfois il y a des problèmes, des fois le matériel il marche pas bien ou enfin, voilà donc et on a pu mettre tout ça en place en un temps assez record avec des gens souvent très enthousiastes, donc ça c'était vraiment top. Et on a commencé à vendre mi-2019, été 2019. Sur ce modèle-là de téléphone reconditionné avec iOS dessus. Et ça a très bien pris, à tel point que on a vite été assez frustrés parce que il y avait des semaines où la demande était supérieure à ce que nous on pouvait vendre. C'est-à-dire que le reconditionné, c'est super, sauf que sur certains modèles, et notamment les modèles assez entrée de gamme, qui sont très demandés parce que c'est les moins chers. Il y a des semaines, on n'arrivait pas à sourcer suffisamment de téléphones, quoi. Donc, tu vois, tu dis, on pourrait vendre peut-être 60 téléphones cette semaine et en fait, on peut en avoir que 15. Donc, c'était devenu assez compliqué. Donc, on s'est posé la question fin 2019, comment on peut faire évoluer ce modèle-là vers peut-être du matériel neuf. On était en contact déjà avec Fairphone, plus ou moins, on se parlait et on les a recroisés. Alors moi, je les ai recroisés fin 2019 à Bruxelles lors d'un événement open source organisé par la Commission européenne. Et d'ailleurs, ça c'est important. L'Europe s'intéresse de plus en plus à l'open source parce que je pense qu'ils sont en train de comprendre que c'est une bonne manière de récupérer de la souveraineté. La souveraineté numérique.
Et donc, on les a croisés là-bas. Ça a tout de suite fité. On est allé voir, on est allé rencontrer leur CEO à Amsterdam, tout début 2020. Et ils ont dit, OK, on veut bien vous aider à porter l'OS sur Fairphone 3. Ils avaient aussi leur base d'utilisateurs qui, de plus en plus, les poussaient à mettre autre chose que de l'Android full Google dans le Fairphone. C'est très bien d'avoir du hard vertueux, mais c'est encore mieux si dedans, il y a un OS vertueux. Et donc, ils nous ont aidés à faire ce travail de portage qui n'était pas du tout évident au départ, puisqu'il y avait... Il n'y avait pas du tout d'Android ouvert qui, voilà, donc ils nous ont filé l'accès aux sources de leur Android propriétaire. Et on a pu faire ce boulot en 2 mois, 2 mois et demi. Et on a sorti le Fairphone 3 avec iOS en mai de 2020. Et ça marche très très bien. On a itéré avec le Fairphone 3 Plus en octobre, je de mémoire. Et on a. Alors, le problème du Fairphone, c'est que c'est un téléphone qui est quand même un peu cher. C'est un super téléphone, modulaire, on peut changer la batterie, etc. Par contre, c'est quand même un téléphone qui est entre 400 et 500 euros sur le Fairphone 3. Donc, on cherchait aussi une solution sur l'entrée de gamme. Et on a trouvé la solution avec Gigaset, qui est un des derniers constructeurs européens qui fait du téléphone et du smartphone, et ils ont dit OK, sur ce modèle-là, on peut vous fournir, on vous aide à faire le portage également, on vous file l'accès aux sources, et on a pu sortir un IGS290 pendant les fêtes, là, donc c'est tout frais, qu'on arrive à vendre à 259 euros, donc ça commence à être, voilà, être raisonnable pour un smartphone. Donc voilà, belle aventure qui progresse très bien et je pense qu'on est plutôt sur un bon timing parce que ben, cette problématique de privacy, elle est de plus en plus dans le débat public, elle est de mieux en mieux comprise aussi par les gens. Et puis je pense que d'une manière plus générale, ça va aussi dans le sens de l'attente du marché. D'une attente de plus en plus forte pour des solutions qui sont plus vertueuses, qui sont plus compatibles avec l'aspiration qu'on partage. Je pense qu'on est nombreux à partager une Ouais. aspiration vers un monde un petit peu plus, je sais pas, enfin vertueux, éthique. Vertueux, économe, éthique. Voilà, Parce que développement durable, etc. Donc, je pense qu'on est vraiment inscrit un peu aussi dans ce courant-là aujourd'hui, et ça me fait vraiment plaisir de pouvoir y apporter une pierre. quand on t'écoute, c'est un peu Alice au pays des merveilles en termes d'entrepreneur, c'est-à-dire t'as une idée, tu veux faire un OS pour smartphone sans Google. Tu dis aux gens, bah, donnez-moi de l'argent pour le développer, ils t'en donnent. C'est quand même invraisemblable, parce que c'est un don, là, carrément. Ensuite, tu commences à en vendre, les gens te disent, c'est un peu pénible de l'installer nous-mêmes, et ça, je comprends. Moi, j'avais vécu ça avec Linux dans les années 90. Et donc, du coup, tu te mets à vendre des téléphones reconditionnés, ce qui est hyper écolo et hyper éthique en plus. Ensuite, tu fais un deal avec deux constructeurs européens, et tu vends des téléphones européens, et ça a l'air de marcher. Donc c'est assez génial, et en plus tu nous dis que la Commission européenne ils adorent ça, donc c'est un peu Alice au pays des merveilles. Alors à quel moment est-ce que ça va coincer? C'est-à-dire quel est le plan pour passer de quelques milliers de téléphones par an, ce que vous avez fait en 2020, à beaucoup plus? Alors déjà, ça va pas nécessairement coincer. Parfois, il y a des belles histoires qui peuvent s'écrire. Je pense qu'on est en train d'en écrire une belle. Comment on va faire pour aller plus loin et pour étendre notre marché? Donc, ça, c'est une question évidemment qu'on se pose tous les jours. Je pense qu'il y a plusieurs réponses, hein. C'est un ensemble de réponses. Déjà, à qui on s'adresse aujourd'hui? On s'adresse, il faut le reconnaître, un public de gens qui sont plutôt avertis. Donc soit ils viennent du monde open source et ils sont convaincus que l'open source c'est bénéfique d'une manière générale, donc ils s'intéressent à ce qu'on fait. Soit ils sont pas du tout tech, parce qu'on a aussi ce profil d'utilisateur qui est pas du tout tech. Et j'ai adoré un message qu'on a reçu l'année dernière
ou un quelqu'un de nous envoie un message et nous dit merci pour cet OS, enfin je peux me débarrasser de Google et j'ai réussi à l'installer alors que j'ai 80 piges, quoi. Le mec, il a 80 piges, il a téléchargé les installers, il a branché son smartphone et il a mis iOS dessus. Et ça, je trouve ça absolument génial. Donc forcément, c'est probablement un passionné, peut-être qu'il a été ingénieur avant, etc. Voilà, il a peut-être l'esprit fait pour ça, mais ça prouve quand même que c'est possible. Donc aujourd'hui, on a cette cible qui est un peu les early adopters, qui sont convaincus qu'il leur faut un truc Je sais pas différent et s'il vaut le meilleur. mettre par hasard, on sait jamais. Hein. Lui, je Bah, il pense a qu'il déjà arrive. Ouais. 80 ans. Je sais pas qui l'a dit là. Mais évidemment, ça reste un. Alors, moi, j'aime bien parler de niche globale, c'est-à-dire que aujourd'hui, on est sur un segment de marché qui est une niche, dans la mesure où c'est des gens qui sont déjà convaincus, quoi. Quand ils nous découvrent, ils font waouh, génial, c'est ce que je voulais quelque part. Je ne le savais pas, mais c'est ce que je voulais. Et c'est une niche globale dans le sens où bah, des gens comme ça, en fait, ça représente peut-être 1 ou 0,1% de la population ou des utilisateurs de smartphones, mais il y en a partout sur la planète. Ouais. Et donc, en termes de volume, c'est déjà un marché qui est colossal. Et on le prouve aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on ne vend que dans l'Union européenne pour des raisons pratiques. Enfin, on va étendre aux US normalement début 2021, mais aujourd'hui, on n'expédie qu'en Union européenne et on vend autant en Allemagne qu'en France. Donc, ça prouve bien, et on vend en UK, on vend en Scandinavie, on vend en Suisse, en Autriche, en Belgique, on vend au Benelux, un peu moins en Italie et en Espagne. Mais ça prouve qu'aujourd'hui, le produit, il convient à un usage aussi bien d'un Allemand, d'un Français, d'un Belge, d'un Italien. Enfin, voilà. Donc, c'est vraiment cette idée de niche globale qui, à mon sens, est réplicable sur la planète. Et si déjà on arrive à adresser 5 ou 10% de cette niche globale, bah, on a de beaux jours devant nous et on va pouvoir se développer. Vite et de manière importante. Mais c'est pas notre but, hein. Notre but, c'est vraiment quand même alors c'est hyper ambitieux, mais c'est de dépasser cette niche globale pour aller vers un public plus large. Et pourquoi ils vont s'intéresser à nous? Je pense qu'il y a plusieurs raisons pour lesquelles ils peuvent s'intéresser à nous. Une des raisons, c'est évidemment la protection des données personnelles. Donc, on essaie régulièrement de communiquer et je pense qu'il y a un effort d'éducation entre guillemets des utilisateurs et de la population pour leur expliquer ce qui se passe sur les données perso. Et c'est pour ça qu'on développe aussi des outils, nous, aussi bien dans l'OS, et là on est en train de développer un autre outil qu'on pourra installer sur un téléphone Android classique, qui permettra de voir vraiment ce qui se passe en termes de data dans son téléphone. C'est-à-dire, l'idée, c'est vraiment tu utilises ton téléphone Android et tous les jours, elle va te dire aujourd'hui. Tu vois, t'as 45 trackers qui ont envoyé de la donnée chez telle ou telle entreprise. T'as de la pub. Enfin, voilà, ça représente tant de data aussi qui est utilisée pour ça. Ça a drainé ta batterie d'autant. Voilà, parce que l'impact de la data, c'est aussi l'énergie. Hein, faut pas l'oublier. Donc, plus il y a de data qui circule. Et plus moins la batterie dure longtemps, enfin bref, plus ça consomme de l'énergie sur le réseau. Et donc, on a aussi cette mission d'effort de faire connaître et d'expliquer ce qui se passe. Et on pense que ça, cette application qui sera disponible évidemment sur le Play Store Android, on pense que ça peut aussi nous faire connaître et nous ramener des utilisateurs qui vont prendre conscience et qui vont chercher autre chose. Après, il n'y a pas que ça non plus, hein. On a réalisé que il y a des utilisateurs qui aiment bien ce qu'on fait et qui s'en foutent un peu de la privacy en fait. Ah bon? Et ça, c'était un peu une surprise, mais parce qu'on a un OS qui est relativement light et du coup, il est assez véloce aussi. Il n'utilise pas plein plein d'applis, machin. C'est pas du bloatware non plus. On prend un soin assez important à trier les apps par défaut et à ne pas en mettre de trop, vraiment ne mettre que le nécessaire, plus un App Store d'application Android, évidemment, qui n'est pas celui de Google Play, qui permet d'installer n'importe quelle application. Et on a un OS qui est relativement sobre, en fait. Et y a des gens qui adorent ça, en fait. Parce que faut bien réaliser que
Aujourd'hui, peut-être un peu moins sur l'iPhone où ils font assez gaffe aussi à ce que ça soit Lourd. pas trop de trucs, tu vois, pas trop lourd. Mais sur un Android de chez Huawei ou de chez d'autres marques, enfin, tu installes le truc, mais c'est du bloatware partout, quoi. Ils t'en foutent partout. Ils te mettent le Facebook, l'Instagram, le machin, ils te le préinstallent quasiment. Ils te mettent tous les outils Microsoft. Enfin, et je pense que derrière, il doit y avoir des accords avec. Des partenariats avec toutes ces grosses boîtes qui doivent les payer pour préinstaller un certain nombre d'apps sur et ça c'est insupportable. Enfin, je sais pas si tu as déjà installé un téléphone Android commercial, tu te retrouves avec plein de trucs, mais tu te Il y dis, a mais j'ai jamais partout. besoin de ça, je veux pas quoi. Et là, je pense qu'on a aussi une carte à jouer en termes de bah, faire un OS relativement léger, élégant, véloce, qui représente un peu. Je sais pas, l'état de l'art de l'OS de base, quoi. Et ensuite, on fait ce que tu veux, tu peux customiser, tu peux rajouter, installer des applis. Donc, voilà. D'accord. Et ça, c'est assez étonnant, effectivement, que vous soyez sorti un peu de votre marché. C'est effectivement, c'est encourageant que des gens le prennent juste parce que c'est léger, quoi. Alors que ça consomme peu, ça, c'est un vrai argument, parce que ça, c'est un vrai problème. Mais que ce soit léger, ça, c'est pas quelque chose auquel je m'attendais. Et c'est toujours, un peu Alice au pays des merveilles, parce qu'on se rend compte que tu as démarré à l'export, en fait. Tu fais, je sais pas, 80% d'export, un truc comme ça, ou 70. On est à 70% à peu près à l'export, ouais. Et ça, c'est une volonté assumée. Alors, les sujets sur lesquels on travaille, l'IT et surtout l'IT grand public, je ne crois pas du tout au modèle qui consiste à dire, allez, on va d'abord être les champions français, puis quand on sera les champions français, on ira conquérir nos proches voisins, et ensuite, voilà. Ça, j'y crois pas du tout. C'est soit on est global, potentiellement global d'emblée, soit ça peut pas fonctionner sur ces sujets-là, hein. Il y a des sujets sur lesquels c'est probablement très valide. Mais l'idée, c'est que l'outil, il doit pas être trop, teinté, culturellement ou tu vois ou géographiquement quoi. Et je fais super gaffe à ça et je faisais déjà j'essayais parce que ça a toujours été simple mais de le faire dans ma première vie professionnelle quand chez Mandragsoft je voulais que le projet il soit vraiment vu comme un truc global et pas un truc spécialement soit français soit voilà parce que faut pas oublier que on est quand même dans un monde qui est aujourd'hui assez clivant. Il y a des gens qui. Il y a des forces en place qui s'aiment pas toujours les unes les autres. Et le fait de. Tu vois, je pense qu'aujourd'hui, il y a des gens qui veulent pas un téléphone chinois parce qu'il est chinois. Il y a des Chinois ou peut-être d'autres pays qui veulent pas un téléphone américain parce qu'il est américain. Donc, on arrive parfois à ce genre de raisonnement. Donc, l'idée, c'est. Voilà, peut-être que les Français, c'est cool. Comme le disent certains, je pense que c'est cool, mais faut pas parier là-dessus pour vendre ou avoir une image de marque. Enfin voilà, on serait dans le luxe et dans les sacs, machin, ok, mais là pas du tout. Et la tech française, l'IT française, là pas non plus, voilà, aujourd'hui, Oui, c'est-à-dire, si tu lançais un parfum, peut-être, mais pour un OS de c'est téléphone, ça. peut-être pas, quoi. Exactement. Donc aujourd'hui, c'est quand même mieux de dire qu'on vient de la Silicon Valley plutôt que de Normandie, parce que je suis normand, même si la Normandie, c'est une région qui est presque aussi célèbre, paraît-il, que la Californie. Mais en tout cas, voilà, j'avais cette volonté j'ai toujours, et on l'aura toujours, cette volonté de faire un projet global. Et c'est aussi pour ça que chez nous, les ingénieurs, tout ça, c'est un mix de gens. On n'a pas du tout de bureau, on est tous en télétravail hein, depuis le début, c'est pareil, c'est une volonté assumée. On a des gens en France, en Europe, en Espagne, on a en Inde, on a au Brésil, et on travaille tous comme ça, avec les outils que tout le monde vient de découvrir avec le Covid. Alors, on n'utilise pas Zoom, hein, mais on a aussi cette volonté d'avoir un mix culturel dans le projet qui fait que
ça déteint dans le produit, c'est-à-dire que on va pas voilà, on veut pas qu'il soit trop marqué bon, même si c'est et ça je pense que c'est aussi important si on veut que bah, chacun s'y retrouve et que un Chinois il ait envie d'utiliser ce qu'on fait. Alors malheureusement il va peut-être pas connaître notre existence, mais qu'un Américain aussi bien qu'un que quelqu'un en Afrique, au Moyen-Orient, au Proche-Orient, en Inde, partout en Europe, soit à l'aise avec le produit et se dise pas, ah ouais, merde, c'est un truc qui était développé dans tel pays. Ouais. Et donc du coup, c'est pour l'instant un projet européen. Est-ce que donc les pouvoirs publics, aussi bien français qu'européens, sont favorables à ce type de projet? Qu'est-ce qu'ils pourraient faire de plus? Parce qu'il y a quelque chose qui bloque, qui est lié aux institutions ou pas du tout? La question que je me pose, c'est comment pourrait-il faire moins quoi, sur ces sujets-là. Je ne sais pas, c'est pathétique, donc je ne peux même pas répondre à ça. Ah, tu vois, au début des voitures hybrides, les gens disaient qu'à New York, c'était interdit d'avoir un taxi hybride. C'était interdit. C'était obligé d'avoir un certain modèle. Comme à Londres, tu étais obligé d'avoir un certain modèle. Donc, ils pourraient faire pire. Ça pourrait être interdit d'avoir autre chose qu'Android, hein. Et parfois, tu as des lois qui sont envisagées, qui vont parfois un peu dans ce sens-là, hein, mais enfin, et notamment, je pense au sujet de la crypto, enfin, chiffrement et tout ça. C'est pas exclu qu'un jour, on n'ait plus le droit d'utiliser des outils de chiffrement. Ça, s'il y a des gens qui poussent contre ça dans notre pays et en Europe, pas que en France. Donc non, objectivement, enfin, clairement, en France, un peu moins dans certains pays européens. Je pense qu'en Allemagne, ils sont un peu plus ouverts sur la question de l'open source, l'IT et la souveraineté numérique. En France, bah, je pense qu'on est un cercle où on se connaît tous, hein, de gens qui sont convaincus qu'il y a un très gros sujet qui n'est pas du tout pris en compte par nos dirigeants ou très très peu. Donc je sais pas si ça changera. Moi je suis j'ai pas je suis pas hyper comment dire je me fais plus trop d'illusions sur ce sujet parce que ça fait 20 ans que je le connais ce sujet, hein. Déjà je me souviens comme si c'était hier une visite d'un secrétaire d'État à l'époque où Mandraksoft était flamboyante. Et donc un jour, on a un secrétaire d'État du ministère de l'Industrie, si ma mémoire est bonne, qui débarque chez Mandraksoft avec son escorte et tout, et ses conseillers, et puis on lui parle de ce qu'on fait, de Linux, de Mandrake, tout ça. Et puis à un moment, on commence à parler de Windows, parce que Windows, à l'époque, il y avait, ça toujours un petit peu, mais à l'époque, c'était un sujet très, très... présent Windows dans l'appareil d'État, dans l'armée, dans la police, etc. Donc, on lui explique que bah, Windows, c'est un truc propriétaire. Donc, chacun juge si c'est un bon OS ou pas, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que personne n'a vu le code source de Windows, hormis les ingénieurs de chez Microsoft. Et que bah, le système Windows... Il y en avait dans les centrales nucléaires, il y en avait dans toutes les administrations françaises, etc. Et on lui explique ça, quoi. Et on lui explique que, bah, éventuellement, on pouvait considérer que comme on ne sait pas exactement ce qui se passe dedans, il pourrait y avoir des choses qu'on ne contrôle pas, qu'on ne maîtrise pas, qu'il pourrait y avoir de l'information qui va, en quelques secondes, et surtout depuis qu'il y a Internet, arriver aux US, des informations qui ne sont pas nécessairement publiques. On peut se poser la question de qu'est-ce qui se passe s'il y a une prise de contrôle d'un OS depuis l'extérieur, etc. Donc, et le mec était atterré. Il était absolument atterré. Il découvrait ces sujets-là. Et il se tourne vers ses conseillers et il demande, mais c'est vrai tout ça? Et puis les mecs, ils regardent leurs chaussures, ils disent, ouais, sans doute, ouais, on ne sait pas trop, quoi. Et il était atterré. Donc après, les grands discours, les machins, etc., on parlait, tout ça, il faut que ça change. En fait, rien n'a changé, absolument rien n'a changé. On en est toujours au même point, je pense, hein. Il y a peut-être un petit peu plus de prise de conscience parce que ces débats-là arrivent un peu plus dans la sphère publique, mais moi je suis relativement sans illusion sur ces sujets-là parce que je pense qu'on a affaire
à une génération de dirigeants qui comprend pas tout ça, quoi, qui sont de l'après-guerre et pour la plupart ils comprennent pas bien. Donc ça viendra peut-être plus tard quand peut-être notre génération, ça commence peut-être, hein, mais j'ai pas eu l'impression que chez En Marche ou les trucs, ils soient non plus. Pas l'air d'y avoir beaucoup qui soient très très sensibles à nos sujets. Donc voilà, donc moi j'ai pris le parti de dire on peut passer toute notre vie à critiquer et à dire que ça va pas, et l'autre option c'est d'avancer et de proposer des alternatives. Donc c'est ce que j'essaie de faire, et je pense que la réponse du public est enfin, c'est la meilleure preuve que ce qu'on dit est crédible, a du sens, et voilà, et peut-être un jour ça changera, mais pour l'instant il faut avancer, il faut proposer, il faut et voilà. Et donc du coup, ça veut dire que la première année, il y a des gens qui t'ont confié de l'argent, qui t'ont donné de l'argent, ce qui n'est quand même pas tous les jours. La deuxième année, tu as vendu pas mal de téléphones. Cette année, tu as vendu, enfin en 2020, tu as vendu vraiment beaucoup, mais c'est une goutte d'eau par rapport à ce qui se vend sur le marché général. Qu'est-ce que tu penses faire en 2021? Tu penses faire x2, x4, x10, x100? Fois 100, ça serait très ambitieux. Mais qu'est-ce qu'on compte faire? Ben, on va continuer sur notre lancée, hein. Ça progresse pas mal. Donc, communiquer, trouver des moyens financiers supplémentaires aussi pour nous développer plus vite. Clairement, on a besoin de muscler l'équipe en termes de dev, on a besoin d'avoir plus de gens. Qui bossent sur la com, on a besoin de. Voilà, enfin, moi j'ai des journées de malade depuis 3 ans, j'ai des semaines de fou furieux, où il est aussi temps que j'arrive à m'entourer, à sous-traiter une partie de ce que je fais. Donc trouver des moyens supplémentaires, donc ça on est en train de travailler. Et puis, aller vers les US, parce qu'on a une demande forte des US. Ça, c'était un peu une surprise, hein. Moi, je m'étais dit au départ, l'Europe, c'est déjà un super terrain de jeu. Aujourd'hui, il y a 500 millions d'habitants. C'est un marché colossal déjà en soi. Donc, pas besoin de s'embêter à faire comme d'habitude, à vouloir aller, on va aller prouver qu'on est super aux US et après, ça va revenir en Europe. Et on a déjà ce marché européen. Mais il se trouve qu'on a aussi une forte demande qui vient des US. Je pense qu'il y a une prise de conscience qui est en train aussi de s'opérer là-bas. Pas mal de personnes que je connais qui sont à la Silicon Valley disent que le sujet privacy et dégooglisation, c'est partout. Tout le monde parle que de ça. Donc voilà, je pense que ça bouge plutôt dans notre sens. Donc 2021, l'objectif c'est de vendre 2, 3 fois plus de téléphones, et je pense que les US va aider pour ça, et développer les services en ligne aussi, parce qu'on a vu qu'il y a aussi une partie de, étonnamment, hein, il y a une partie des utilisateurs qui ouvrent des comptes chez nous parce qu'on a un compte gratuit, une adresse mail avec tout ce qu'il faut pour faire de l'office en ligne. Alors, c'est basé sur du Nextcloud et tout ça, donc on n'a pas inventé, hein, mais on l'a intégré, on fait en sorte que ça marche bien, c'est opéré 24/7, etc. Et une partie de ces gens-là n'utilisent pas l'OS. Pour X raisons, soit qu'ils ne sont pas prêts, soit que ça ne les intéresse pas nécessairement. Et donc, il y a ce côté service en ligne aussi où voilà, on n'exploite pas les données personnelles des utilisateurs. Hein. Quand ils s'envoient un mail, on n'analyse pas le contenu du mail comme fait Gmail pour essayer de leur vendre de la pub par derrière. Donc, ça, quelque part, ça peut paraître idiot, mais ça, en soi, ça a un peu de valeur. Et derrière, il y a un modèle économique qui est relativement simple puisque. On offre un giga gratuitement de stockage, et si on veut plus, ben voilà, on paye. C'est un peu logique parce que tout ça a un coût. Et ça, on va le développer fortement. Aujourd'hui, il y a encore des freins à l'adoption parce que c'est un peu caché. Il faut aller sur son compte internet pour trouver qu'on peut prendre un plan, etc. Il faudrait pouvoir le faire aussi depuis son mobile. Donc ça, ce sont des projets qui sont en cours de développement. Et je pense que tout ce qui est service en ligne, on a aussi une belle opportunité de se développer parce qu'il n'y a pas que ça, il y a aussi, on peut imaginer plein de trucs. Alors, VPN, on verra si on le fait avec un partenaire peut-être. On peut utiliser un truc qui permettrait d'avoir son propre DNS. Et ça, c'est important d'avoir son propre DNS parce que ça permet de couper, si on le souhaite, un certain nombre
de pub, ce genre de choses, et d'avoir une vision assez intéressante de son activité sur Internet et qu'est-ce qu'on utilise comme service. Donc il y a déjà des trucs qui existent, il y a des trucs open source, et on réfléchit à pouvoir intégrer ça dans une offre globale. On a également une opportunité sur ce qu'on appelle le B2B, donc vendre plutôt aux entreprises qu'aux particuliers. Aujourd'hui, on ne l'a pas fait parce qu'on voulait être focus, parce que je pense qu'on ne peut pas faire 10 trucs différents et le faire bien. Donc, si on veut mieux faire un truc très bien plutôt que 1000 trucs pas bien. Et le B2B, on a été sollicité déjà relativement souvent parce qu'il y a plein de besoins hein, sur de la ROM custom, sur une offre SaaS intégrée où tu aurais tout. Enfin, tu vois, tu crées ton nom de domaine avec ton entreprise et tu as ton téléphone, tu as tes données sont sécurisées, tu sais que ça ne va pas aller chez Google, etc. quand tu l'utilises. Bah voilà, on n'a pas eu les moyens et le temps de le faire jusqu'à maintenant, mais c'est des sujets qu'on pourrait explorer en 2021 ou 2022 parce qu'il y a vraisemblablement il y a une très belle opportunité aussi sur ce sujet B2B. Voilà, c'est un peu paradoxal par rapport aux interviews que je fais habituellement de chef d'entreprise. Toi, ton problème, c'est que tu as énormément de marchés que tu peux adresser et qui sont demandeurs, donc tu es obligé de choisir. Et du coup, une dernière question, ce que vous allez vendre comme téléphone aux États-Unis, c'est quoi? Parce que e-commerce, ils sont européens. Je sais pas si Fairphone vend aux États-Unis. Quel téléphone vous allez vendre? Ouais, c'est un vrai sujet et c'est une des raisons pour laquelle on l'a pas encore. On ne vend pas encore aux US, c'est parce que sauf les très haut de gamme, hormis le très haut de gamme, hein, les téléphones souvent ils sont construits, conçus pour une région, donc Asie, Europe, Amérique du Nord. Quand je dis qu'ils sont conçus pour une région, il y a deux choses. Il y a une histoire de certification. Une certification, ça coûte cher. Donc, si tu veux qu'il soit compatible partout, il faut faire la certification CE, la certification FCC pour les États-Unis. En Chine, ils ont une certification également. Et ça, derrière, il y a des. C'est surtout sur la radio, et en particulier la 4G, les bandes LTE, les bandes 4G, elles ne sont pas les mêmes en Europe, aux États-Unis, c'est pas du tout unifié, homogène, tout ça. Chacun a fait. C'est un bazar monstrueux. Et donc les téléphones qui sont pas du très haut de gamme, parce que les iPhones et la plupart des Samsung, ils arrivent à supporter toutes les bandes, mais sinon, il y a un choix de bandes, parce que ça coûte moins cher. Et donc bah, un téléphone européen, il va supporter principalement les bandes européennes. Il fonctionnera aux US, mais pas de manière optimale, c'est-à-dire qu'il fonctionnera sur la voie, etc. Peut-être en 3G, mais en 4G, selon l'endroit où on est, il ne va pas fonctionner. Et donc ça, c'est un vrai sujet. Et typiquement, bah, Fairphone n'est pas certifié en dehors de l'Europe. Giga 7 non plus. Donc on vendra pas de Fairphone, on vendra pas de. Enfin, en tout cas, pas de Fairphone 3, parce que je ne sais pas, Fairphone peut-être prépare un nouveau modèle qui sera compatible avec les US. Mais pour l'instant, on ne le fera pas. Giga 7 non plus. Donc on va recommencer la même histoire avec le reconditionné. Étant donné que les Samsung en particulier qu'on reconditionne sont souvent compatibles avec toutes les bandes. On va recommencer probablement avec cette approche reconditionnée. Et derrière, on a deux modèles qu'on a repérés. Donc, un d'une marque très connue qu'on doit pouvoir sourcer en quantité, en neuf. Et un deuxième truc un peu moins connu qui est une sorte de Fairphone américain qui serait très intéressant. Donc, on est en train de mettre de finaliser nos plans pour les US, mais on va commencer avec du reconditionné. Bah, c'est super. Donc, si aujourd'hui quelqu'un veut un téléphone de chez toi, quelle est la meilleure façon de s'y prendre? Et qu'est-ce qu'il ne pourra pas faire avec, pour conclure? Ah, ça, c'est une question difficile. Qu'est-ce qu'il ne pourra pas faire avec? Pas grand-chose. Objectivement, il ne pourra pas facilement installer une application Android payante. Ça, aujourd'hui, c'est une limite. Mais la plupart des utilisateurs s'en foutent parce que
on utilise de moins en moins des applications payantes. Et pour celles qui le sont, parfois ça passe même plus par le Play Store. Donc, par exemple, moi j'utilise Spotify, j'ai un abonnement Spotify et je passe pas du tout par le Play Store, ça se passe sur le site web de Spotify. Donc, il n'y a pas grand-chose qu'il ne pourra pas faire. Après, clairement, enfin, pour être totalement transparent et honnête, on a encore des petits glitches, des petits bugs qui traînent. Donc, le produit, il est perfectible. Ceux qui sont très habitués à l'environnement, je sais pas, je pense par exemple à l'outil de Carto de Google Maps qui est performant, il faut le reconnaître. On le met pas évidemment, donc on met un truc qui s'appelle Magic Earth, qui est vraiment une très bonne appli hein, qui permet même de planifier ses itinéraires, etc. Mais c'est pas complètement au niveau d'un, faut être honnête, d'un Google Maps. Cela dit, on peut l'installer en plus, mais bon, on casse un petit peu la promesse si on fait ça, mais c'est possible. Donc globalement, on a une vie numérique et nous, on a évidemment l'utilise tous les jours. Donc bon, moi et la plupart de mes collègues. Et on est, on, d'ailleurs, c'est une de nos craintes. Je me souviens quand j'ai abandonné mon iPhone il y a 2 ans maintenant, je crois. Et je me suis dit, waouh, j'avais un peu peur. Et au final, non, ça se passe très, très bien. Et pour répondre à la question sur où est-ce qu'on peut acheter un. Il faut aller sur e-solution-pluriel.shop. Ou sinon chercher iOS ou dit Google de Mobile Operating System et on arrive très vite chez nous en général, je pense, sur la plupart des moteurs de recherche, y compris Quant. Ok. On salue au passage, on salue tous les acteurs de notre sphère pro-privacy. C'est ça. Mais finalement, moi, je trouve que ton projet à toi, c'est l'un de ceux qui est le plus simple parce que tu vends, tu es parti à l'export tout de suite. Tu as un modèle qui, a priori, peut être à cash flow positif relativement vite et qui nécessite, bon, quand même beaucoup d'investissements, mais c'est pas aussi lourd que certains autres. Bon, on a beaucoup fait le reproche à Quant d'intégrer des technos Microsoft. Toi, tu n'as pas du tout ce problème-là. Moi, je trouve que c'est un projet qui est, bon, d'une part, il est intéressant, et puis d'autre part, il est assez bien parti. Merci de nous avoir consacré 3 quarts d'heure, peut-être même presque 1 heure. Et puis on reprendra des nouvelles dans 6 mois ou dans 1 an pour voir si on a fait le x2 ou le x3 ou le x10 et si on a trouvé suffisamment de sourcing aux États-Unis pour commencer à vendre des téléphones là-bas. Moi j'avoue, c'est quand même pas mal Alice au pays des merveilles comme sujet parce que entre le fait qu'on t'a donné des sous pour démarrer, le fait que tu as vendu dans toute l'Europe tout de suite, le fait que des Américains te demandent ta solution alors que t'es un mangeur de cuisses de grenouille, quoi. Enfin, c'est quand même pas mal globalement comme histoire. Alors, je ne mange pas de cuisses de grenouille, hein, c'est pas trop mon truc, mais ouais. Mais après, objectivement, c'est Les un. Normands, vous êtes un peu des traîtres, hein, parce que Walt Disney, il vient de Normandie à la base. Tout à fait. Mais on a conquis l'Angleterre, hein, s'il ne faut pas l'oublier. Donc, Bah ça nous c'est donne. ça, vous arrêtez pas quoi en fait. Ouais, ça nous donne de la confiance pour. Ouais, enfin, Alice au pays des merveilles, y a du boulot hein, quand même, hein, c'est colossal comme travail. Mais je pense ce qui fait que ce qu'on fait est possible, c'est déjà on a un soutien assez fort des utilisateurs et de notre communauté. Et d'autre part, on a une équipe qui est vraiment formidable et que des gens motivés. La plupart des gens, ils sont venus spontanément nous voir en disant, je veux bosser chez vous quoi, parce que j'aime beaucoup ce que vous faites. Et ça, forcément, ça donne de l'efficience, ça donne. Ah, évidemment. Voilà, c'est toujours bien de travailler avec des gens enthousiastes qui sont vraiment passionnés par ce qu'ils font. Je pense que c'est une des clés aussi du c'est une des clés de notre succès. Enfin, succès, ça reste modeste, mais aujourd'hui, ça marche bien et je pense que ouais, c'est aussi lié à ça. C'est humain, quoi. C'est le facteur humain. Ok, eh ben merci et puis Merci, Eric. à bientôt.
Salut.